Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première épreuve, 1500 mètres à parcourir avec Young Royal, qui se montre le plus rapide dès l'ouverture des boîtes. Mais regardez, Joey's Legacy à l'extérieur, qui semble vouloir prendre le train à son compte. Voilà, Joey's Legacy va partir devant Young Royal. Ensuite, on retrouve Gris Cheval. Juste derrière, il y a Royal Performer, qui est accompagné par Montante. Et en dernière position, Fidelis. Les chevaux sont en pleine descente, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir avec Joey's Legacy qui imprime un trait soutenu à cette épreuve devant Young Royal qui est deuxième, Gris Cheval toujours troisième. Ensuite arrive Montante, juste derrière il y a Young Royal et toujours Fidelis en dernière position. Au bas de la descente, toujours sous l'impulsion de Joey's Legacy avec Satish Ramgopal en selle avec une... Satish Ramgopal, pardon, en selle, avec Young Royal toujours en deuxième position, Gris Cheval, Montante, Royal Performer, Fidelis, il commence à bouger à l'arrière, alors qu'on est à 400 mètres du poteau. Joey's Legacy va toujours très très bien à l'avant, il faudra venir le chercher. Joey's Legacy à l'entrée du virage, Young Royal va faire l'effort avec Gris Cheval, Montante, Fidelis, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale, avec Joey's Legacy qui va tourner en tête, on va tenter de revenir avec Young Royal qui va faire l'effort. Allez, extérieur, Fidelis complètement à l'extérieur, Gris Cheval également qui tente de s'amener, mais Joey's Legacy a toujours l'avantage. Young Royal, Joey's Legacy, Young Royal qui va mettre le nez devant et s'imposer. Victoire consécutive pour Young Royal qui était très très bien monté aujourd'hui. Raj, il est bon de le souligner. Une monte tout en confiance de Raj Urawan qui ne prend qui ne se presse pas, qui laisse partir Joey's Legacy avant de revenir sur lui en pleine ligne droite. Ça a été laborieux, mais il arrive à temps. Oui, je dois dire que Raj Urawan est un très bon jockey. C'est pourquoi je l'ai mis sur Young Royal et il était très patient, il a monté en confiance, il a gagné assez facilement. Et ça fait deux pour lui, deux victoires consécutives. C'est vrai que le cheval était très très bien, très très bien présenté dans le rang de présentation. Il était très bien et qu'est-ce que je veux vous dire, c'est qu'un journal disait que j'étais en train de devenir le roi des petites fourchettes. Je ne croyais pas trop en cette phrase-là, mais maintenant, ça commence à confirmer. Hein. Alors, Raj, sinon, pour le reste de la journée, qu'est-ce qu'on peut s'attendre quelque part, ici et là, comment ça s'annonce? Un deuxième partant, Sivadask. Bon, Sivadask au compte un Garbi. Il faut respecter Garbi. Mais il a fait une très bonne course la dernière fois. Il était un peu gêné par Independence. Mais il a la distance. Je vais faire de mon mieux. Et s'il gagne, je serai très content. Eh bien, on croise les doigts et pourquoi pas vous retrouver juste après, Raj. Espérons. Bravo, belle victoire donc de Young Royal qui ne fait que confirmer sa très très grande forme actuelle. Et ça fait deux pour lui. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve. Tous très bien partis avec Captain's Bounty côté corde, avec à l'extérieur Strum qui va partir le plus vite et prendre les choses en main. Donc Strum à l'avantage devant donc Top of the Chocks qui court à l'extérieur de Captain's Bounty. Papagio pour l'instant en épaisseur. Act of Valor pour l'instant en dernière position, tout juste devant lui. Mount Ilabi alors qu'on accroche la rue du gouvernement. Strum a toujours le meilleur devant Top of the Chocks, Papagio
en troisième position. Ensuite, il y a Captain's Bounty Mount et l'ami Act of Valor qui sera condamné à venir de l'arrière. Alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Strum qui va tourner en tête, qui va repartir maintenant. Lancé par Yashin et Mamdi. On va tenter de revenir avec Top of the Chocks, avec Papadio, mais Strum sera difficilement battu dans ce genre de configuration. Strum va s'imposer, la cause est entendue, Strum s'impose, deuxième Papadio, troisième Act of Valor. Magnifique Strum cet après-midi qui prend départ canon. Soon qui prend les choses en main. Et puis, dès lors, les choses, il le fait à sa manière. Quand Yashin presse le bouton, je me demande si le second est dans la photo. Oui, Jean-Philippe, très content de remporter une course avec Strum. Tu sais, il est un très bon cheval. Pas Fortwood, il n'est fait que progresser. Il a eu deux courses cette année-ci. Après sa dernière course, Yashin me dit que à sa troisième course, il va être à son mieux. Je dois ici rendre hommage à Gopal. Lorsqu'on a pris la décision de courir les deux, Yassine était plutôt, et moi aussi, hein, je dois te dire, on était plutôt pour Mount Hilabi, parce que Mount Hilabi, on pensait qu'il était meilleur, un meilleur cheval que Strum. Mais Gopal a insisté à ce que Yassine monte Strum, parce que si tu regardes la course de 1000 mètres qu'il avait fait avec Noël Callot, il était à botte à botte avec Adistar sans forcer. On s'est dit que dans ce lieu-là, même on avait beaucoup de respect pour Arthur Vela et Papa Dieu. Et dans ce lieu-là, je crois qu'il n'y a pas plus rapide que lui. Et que s'il arrive à trouver le bas, la course est gagnée. C'est ce qui s'est passé, que Yassine est bien sorti de boîte. Je pense que Acteur Vela a peut-être marqué un temps d'arrêt au départ qui nous a aidés. Bad luck pour Yannick. Mais c'est très content de remporter une course. Ce n'est pas facile de nos jours. Ben, on a quand même gagné 9 courses. On est satisfait. Alors, Soon, bien sûr, Kremlin Captain sera sa deuxième sortie de la saison. Il avait remporté sa première course. Elle est très attendue dans cette Coupe du bicentenaire. Sinon, les autres chevaux, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de vos chevaux aujourd'hui? Jean-Philippe, je disais à des amis ce matin que quand tu regardes sur le papier, on avait de petites chances un peu partout. Et normalement, on va blank. On a gagné une course, on est très content. Yassine pense que Tandrazi a une chance, a une bonne chance, mais je pense moi que One Cool Dude disait class above. Sa dernière course, comme tu as pu le constater, Rai ne fait que le nécessaire pour sortir second, parce que de toute façon, il n'aurait pas battu le cheval d'Alain.
mais Nordic Warrior. Mais aujourd'hui, il a une meilleure ligne et que, tu sais, 61 kilos n'est pas un problème pour lui dans ce lieu-là. La seule chose qui pourrait jouer contre lui, s'il n'y a pas de pas dans cette course. Donc, on va essayer une course tactique, mais class is class et ça va être très difficile de battre One Cool Dude. Dans la grande course, malheureusement, Kremlin a tiré la 9e ligne. Ben, il faudra se placer. Il y a, je pense, moi, que Nordic et le Cheval à battre, bien sûr, dans le style dans lequel il avait gagné la dernière fois. 1500 mètres, je crois que c'est un peu son parcours de prédilection. Avec la première ligne, il n'aura aucun problème à diriger les opérations à sa guise. Et Kremlin, mais la seule chose que je dois aussi te dire, c'est que Kremlin n'a jamais été dans une forme comme il est actuellement. Le cheval a encore progressé? Le cheval a beaucoup progressé depuis sa dernière course. Et que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais vu dans la forme qu'il est aujourd'hui. Mais n'empêche que si Nordic ne gagne pas facilement, la course est très ouverte parce que tu as quand même Everest qui a tiré la deuxième ligne. Tu as le cheval de Ricky qui la dernière fois a été un petit peu mal censé. Je crois qu'il est mieux cette semaine-ci. Également au Rim. Rim, s'il arrive à se placer. Alors malheureusement, il n'a pas pu avoir les 3 kilos pour Ram Gopal. mais Rim aussi, je pense qu'il sera dans les accessibles. Alors sinon, Soon, dans la troisième, pas de partant pour vous. Quand on regarde le lot, il y a Canadian Dollar qui fait un peu figure d'épouvantail. Mais il y a Esteco qui a également très agréablement surpris la dernière fois, à votre avis. Oui, tu sais, un cheval comme Esteco, sans diminuer le mérite de Esteco, bien souvent, à cet âge-là, il ne répète pas. Tu sais, je crois que Canadian Dollar est un cheval beaucoup plus jeune. Et que, mais seulement, il n'est pas un cheval facile à monter. Je crois qu'il est monté par Swapnil Rama. Swapnil est un très bon jockey. Moi, j'aurais opté pour Canadian Dollar. Eh bien, merci, Soon. En tous les cas, bravo pour ce bel engagement trouvé pour Strom, qui vous fait honneur cet après-midi. Bravo, bravo. Donc, super, Strom, exact rendez-vous sur le kilomètre, un fameux cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Mais quelle accélération dans le rond. Il ne fait que laisser sur place ses rivaux. Dans quelques secondes avec l'entrée du favori Canadian Dollar. Et c'est parti pour cette troisième épreuve. Tous très bien partis, 1500 mètres à parcourir avec Easy Faux, auteur d'un excellent départ. On est sollicité à l'extérieur avec Alabalou. Canadian Dollar se rapproche et se monte un peu ardent à l'extérieur de Lion Sprint qui suit en troisième position et côté corde. Ensuite, on retrouve Hancock Dynasty en compagnie de Esteco qui court côté corde en dernière position. On entame tout juste la descente. Alabalou, pour l'instant, va prendre les choses en main alors que Easy Faux est quelque peu repris. Canadian Dollar, lui, en troisième position à l'extérieur de Easy Faux. Dans leur sillage, on retrouve bot à bot Lion Sprint et Hancock Dynasty en dernière position. Esteco. Les chevaux sont au bas de la descente et se dirigent vers la rue du gouvernement à 600 mètres du poteau dans quelques foulées avec Alabalou qui a toujours le meilleur devant Canadian Dollar qui est toujours à l'extérieur de Easy Faux. On se rapproche également avec Hancock Dynasty, Lion Sprint et Esteco toujours en queue du peloton. On est à 400 mètres du poteau. Voilà que Alabalou va voir arriver à ses côtés Canadian Dollar, qui est encore bien en main. Esteco a commencé l'effort, lancé par Peter Hall, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Alabalou qui va tourner en tête avec Canadian Dollar. Easy Faux va se filer à la corde à l'extérieur. Il y a Esteco qui sort à beaucoup de reins également. Esteco va mettre le nez devant et Alabalou fait de la résistance. Esteco va aller s'imposer devant Alabalou et Canadian Dollar.
oui, comme l'a dit Sean, il y a certainement ex-écho avec ses belles mamans avec leur petite fille, mais il y a eu également Esteco dans la troisième, Jean-Michel. Esteco qui n'a fait que confirmer que sa récente victoire n'était nullement le fruit du hasard. Oui, Jean-Philippe, certainement. C'était une surprise un peu pour... Je l'aimais, la première sortie, je l'aimais bien. Deuxième sortie, ça a été une belle surprise, je dois dire. Et là, il a fait que confirmer. Bah, cette fois-ci, on était confiant. Et je le voyais pas perdre aujourd'hui. Peter fait une belle course. On l'a monté pareil. Tout s'est très bien passé. Et un gros merci à l'écurie hein, de me faire confiance dessus. Et bah, voilà, ça fait plaisir. Alors c'est vrai que le fait de l'avoir repris et le mettre complètement à l'arrière la dernière fois, vous avez peut-être trouvé la l'astuce pour vraiment lui mettre au travail, Jean-Michel, puisqu'il avait montré un certain désintéressement quand il était près du pas. Oui, certainement, Jean-Philippe. Il a gagné comme ça. Même s'il avait une bonne ligne, on aurait fait pareil. On l'aurait drop. C'est un cheval qui aime venir de l'arrière. Je pense que sur cette distance, aujourd'hui, peut-être que plus long, on changera. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, Ilbro qui va affronter, qui se mesure à une course de groupe 1, Jean-Michel, c'était un peu dans vos plans, puisque c'est un cheval que vous tenez en haute estime. Oui, certainement. À la fin d'année, quand ils ont décidé de resserrer les points en chevaux, j'étais un peu tracassé, parce qu'il fallait qu'il se qualifie pour pouvoir courir ces courses-là. Maintenant, bah, il a le droit de se mesurer à l'élite. Et avec son petit poids, à handicap, je pense qu'il aura son mot à dire. Eh bien, on croise les doigts pour vous en espérant qu'il sorte le grand jeu, Jean-Michel. Merci. Merci donc à Jean-Michel Henry. Et bravo pour cette deuxième victoire consécutive de Esteco qui ne prouve que sa récente victoire, comme on l'a dit, n'est nullement le fruit du hasard. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette quatrième épreuve dotée de la J. Philippe Lagesse Cup. 1850 mètres à parcourir avec un bon départ de Storm Dance qui se montre le plus rapide. Parker va s'asseoir dans sa foulée en troisième position. Silver Dice suit très bien. Ensuite, à de longueur, on trouve Parseval qui condamne à son extérieur Pont d'Avignon. Garby est juste derrière en dernière position alors qu'on passe devant nous pour la première fois. Eh bien, Dustin ferme le cortège. Les chevaux ont passé le but pour la première fois, toujours sous l'impulsion de Storm Dance qui a 2-3 longueurs d'avance sur Parker qui précède lui-même de 3 longueurs Silver Dice. En quatrième position, on retrouve Parseval, ensuite Garby, Pont d'Avignon et toujours Dustin en dernière position. Autobomb à l'Arctique dans quelques foulées, toujours sous l'impulsion de Storm Dance, avec 2 longueurs d'avance sur Park, qui précède de 4-5 longueurs Silver Dice. Ensuite, il y a Parseval. Garby commence quelque peu sa descente, commence à se rapprocher. Ensuite, on retrouve Dustin qui est rejoint par Pont d'Avignon. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir, voilà que Storm Dance a toujours l'avantage. On va voir Garby arriver à ses côtés sous la montre de Swapnil Rama. Parker, Parseval également a commencé à bouger, tout comme Dustin pour l'Avignon. Silver Dice toujours sur les barres en 4-5e position. Les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Storm Dance qui va être accroché par Garby qui est déjà lancé par Swapnil Rama en pleine ligne droite finale avec Storm Dance qui tente de repartir. Mais Garby va sortir une foudroyante accélération. Garby a mis le nez devant. On tente de revenir avec Parseval à l'extérieur de Dustin. Mais Garby est le plus fort et va aller s'imposer dans cette quatrième épreuve. Deuxième Dustin, troisième Park.
Eh bien, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la performance de Garbi aujourd'hui, qui a évolué alors qu'il montait d'un cran. Gilbert qui montait de classe, il a vraiment donné l'impression qu'il évolue un ton au-dessus, tellement il le fait avec une facilité déconcertante. Oui, non, aujourd'hui, je dois dire, le style était vraiment très plaisant, très facile, très belle monte de Rama. Il a déboîté au bon moment et le cheval a cruise, comme on dit, jusqu'au dernier tournant. Et comme il a demandé l'effort final, le cheval a répondu. Et très belle victoire, nous sommes très contents, je félicite le propriétaire bien sûr. Et ah ben, sur ce qu'il nous a montré, il ne va pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Alors c'est vrai Gilbert, avoir un cheval remporté 6 courses d'affilée, ça fait quelque chose, c'est sûr. Oui, non, c'est extraordinaire, ça c'est sûr. 2 l'année hier et 4 cette année-ci. Et on avait cru que le cours est peut-être un petit peu trop rapproché, mais d'après les fixtures, il n'y avait pas de course pour lui pour les prochaines 6 semaines. On s'est dit le cheval était super bien et on s'est dit bon, on y va. Eh bien, en tous les cas, bravo. On va bien sûr se tourner vers le propriétaire, M. Agastamuni Gajadar, qu'on appelle affectueusement M. Boulet Gajadar. Alors, ravi certainement de cette 4e victoire, Boulet. Moi, bien content, non. Vraiment, vraiment. Alors, jamais en doute aujourd'hui ou bien... Jamais en doute, jamais. Alors, avoir un cheval comme ça, remporter 4 courses déjà cette année, vous n'étiez pas là les 2 premières fois? Oui, pour 2 courses, non, je n'étais pas là. Alors, aujourd'hui, il vous a vraiment plu, c'est sûr. C'est. Et je remercie Gilbert, Sudès, et la belle monde des Rama. Alors, ça donne quand même, quand vous êtes propriétaire d'un petit champion comme ça, Boulet, ça donne des idées en tête d'aller taquiner la grande coupe d'or. C'est lui qui décide tout. Mais ça quand même vous donne quand même une petite idée aujourd'hui. J'espère. On va pas sauter les étapes définitivement, mais en tout cas, Boulet, toutes nos félicitations, vous avez là un petit champion. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours que tu peux avoir un cheval comme ça qui gagne 6 à la suite. Et à mon avis, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. J'espère non. On croise les doigts en tous les cas. Boulet, merci d'avoir été parmi nous et bravo. Bye. Bravo. Thank you. Donc bravo donc propriétaire ému et on le comprend. 6e victoire consécutive, messieurs. Eh bien, moi je dis chapeau. Hein. Voilà, départ de cette épreuve. Le jockey de Roman Manner, très mal placé, mais en tête de la course pour l'instant, c'est Tandraji qui mène la course et Terminator va se porter en tête de la course. Roman Manner en 3e position, 4e position, One Cool Dude. Puis nous avons à son extérieur Azapel et en dernière position, le Good Motion, c'est celui qui se trouve à la corde. En tête de la course, Terminator, qui a 2 longueurs d'avance, même 3, je dirais maintenant, sur Tandraji, qui suit sagement en 2e position. À son extérieur, son compagnon d'écurie, Roman Manner, en 4e position à la corde, One Cool Dude, qui va se fier à son finish. Azapel se trouve à son extérieur, en dernière position, Liquid Motion. Terminator a 3 bonnes longueurs d'avance, 4 même, je dirais maintenant, sur Tandraji, qui ne s'affole pas. Yashine Mandu ne s'affole pas, se rapproche tout doucement. Terminator n'a que 2 longueurs maintenant, les autres commencent à venir. Tandraji, notamment, qui déboîte à son extérieur. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. One Cool Dude va trouver l'ouverture. Tandraji à l'extérieur, One Cool Dude et Tandraji. C'est le duel. One Cool Dude à l'avantage. One Cool Dude, Tandraji. One Cool Dude toujours en tête. Tandraji revient, mais ne battra pas One Cool Dude. One Cool Dude gagne cette course. Tandraji, 2e, 3.
Eh bien, Juan Gulljud qui ouvre son compteur pour cette saison 2016. C'est vrai que la dernière fois, Ricky, déjà, il avait montré qu'il... C'est de quoi il était capable, mais il n'a rien à démontrer, puisque sa carrière ici est déjà toute réussie. Et aujourd'hui, vous insistez sur le sprint. On était un peu peut-être surpris de voir que vous faisiez un peu l'impasse sur la Coupe du Bicentenaire. Et il vous donne raison en sortant le coup de rein que lui seul sait le faire. Oui, vous savez, on a deux représentants dans la Coupe du Bicentenaire. Je pense qu'on a de très bonnes chances. Il faut que chaque cheval ait sa chance dans les grandes courses. Lui, son objectif principal... En début de saison, c'était le Barbé, donc on est sur la bonne voie, je pense. Alors aujourd'hui, un peu en doute en entrée du virage ou bien toujours en confiance? Non, on était très très confiants. C'est vrai que dès que Tendraji sort, vous avez déjà le sourire sur les lèvres. Écoutez, s'il n'était pas sorti, ça n'aurait fait aucune différence, je pense. On serait peut-être sorti nous. Mais lui, comme il est sorti, il a attendu le bon moment et on sait très bien qu'il a une pointe de vitesse exceptionnelle. Et avec 6 chevaux dans la course, il n'y avait pas de danger de se trouver bloqué à l'arrière, etc. Donc il court selon nos espérances. Alors c'est vrai que c'est un cheval, Ricky, qui demande un peu plus de distance. Il est beaucoup bien mieux sur 1500, voire 1600, 1800 mètres. Et le maintenir sur le sprint, c'est dans votre plan de préparation pour le Barbé? Absolument, sinon je ne l'aurais pas fait. Hein. Bon, les courses, vous n'avez pas le choix, puisqu'il y a certaines distances, certains jours. Et là, par exemple, il n'y a pas d'autres occasions de le courir avant le Barbé. Il y a 5 semaines à aller. Je pense qu'avec un peu de chance, on le maintiendra dans cette forme-là. Alors, on va parler justement de la Coupe du 150-naire, où il y a un petit match entre l'écurie Gajadar et l'écurie Mingard. Vous êtes les deux écuries confondues à 6 victoires. Quel est un peu l'état d'esprit? Commençons surtout les chevaux à l'aube, à quelques minutes de ce grand rendez-vous. Écoutez, un match non, il y a d'autres écuries de représenter. Hein. Roussette est très fort dans cette course-là. Je pense qu'Hervé a fait une très belle course. Il a un petit poids, il a une bonne ligne. Il a un jockey qui est bien en forme. Nous avons préparé des échecs pour cette course en vue. J'espère qu'on a eu raison. Et Tianis Gaul a monté en puissance. Il a gagné 2 courses depuis le début de l'année. Et il tente sa chance lui aussi. Quoi. Eh bien, Ricky, on croise les doigts. Et peut-être ce sera vous, ici même, après la course. J'espère. Ça va être une très belle course. Une course très disputée, une course ouverte. Quoi. Bravo, Ricky, pour cette belle victoire de Juan Gulljud qui affiche ses ambitions en vue de notre deuxième rendez-vous classique, messieurs. Voilà, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le trophée du bicentenaire du Mauritius Turf Club sous le parrainage du Rotary Club de Beaubassin-Rosil avec Nordic Warrior qui se montre le plus rapide à l'ouverture des boîtes et qui défile ses belles foulées en tête de cette épreuve avec Crimson Captain qui surmonte son couloir extérieur et qui se retrouve en deuxième position. En troisième position, on retrouve Rim qui évolue à l'extérieur de Bowl Inspiration dans leur sillage à Hillbrow. Ensuite, on retrouve Desert Shake, Everest, Chinese Gold et en dernière position, Diamond Light. On est à 800 mètres du poteau en pleine descente donc avec Nordic Warrior qui a creusé l'écart à l'avant avec 2, 3, 4 longueurs d'avance même sur Crimson Captain qui est toujours accompagné à l'extérieur par Rim. Ensuite, il y a Bowl Inspiration. Hillbrow est à son extérieur. Desert Shake, Everest, Chinese Gold. Et toujours Diamond Light en dernière position. On va accrocher la rue du gouvernement avec Nordic Warrior qui a toujours l'avantage. Avec Crimson Captain qui s'est rapproché. Rim commence quelque peu son effort à l'extérieur. Avec Hillbrow également qui passe à l'offensive. Bowl Inspiration. Everest lancé à l'extérieur de Desert Shake. Diamond Light également va se mêler à la lutte en pleine ligne droite finale. Avec Nordic Warrior qui tente de repartir maintenant. Lancé par Vinayanaiko. Crimson Captain va faire un bel effort en pleine piste. Crimson Captain a mis les devants à l'extérieur. Everest termine de plus en plus fort. Mais c'est Crimson Captain qui va les imposer. Crimson Captain.
Oui, nous avions vécu une fort belle course avec Crimlin Kapnin qui remporte sa course de groupe 1. Soon, on n'est pas cheval champion pour rien. Il le prouve cet après-midi. Oui, c'était une victoire à la racée, comme tu as vu. Il a eu à faire un gros effort pour se placer. Et en le faisant, tu sais, Ram Gopal lui dit tu peux rentrer à l'intérieur quand il était à l'extérieur. Je crois que c'était Bold Inspiration. Mais je crois que Yacine a versé un petit peu trop vite. Ben, j'espère que les commissaires vont être indulgents, mais le règlement sont le règlement, bien sûr. Écoute, très très content de remporter un groupe 1. Pas facile, je crois qu'il était dans un lot très très coriace. Je crois que Chinese Goal a été beau for a run. Tu as l'autre cheval de Ricky aussi qui a fait une très belle course. Mais take nothing away from Crimlin Kapnin. Malgré l'effort qu'il a fourni pour se placer, il a pu trouver les ressources nécessaires pour résister aux finisseurs. Belle course aussi de Everest. Je crois que le Barbé s'annonce être une course qui va être très très disputée. Bien sûr, je crois que One Cool Dude va être automatiquement le grand favori. Mais il y a un autre cheval qui a beaucoup progressé dans cette course, c'est Bold Inspiration. Et maintenant, si tu compares le ML Jet, etc., ben, je crois que, je ne sais pas s'ils vont venir dans le Barbé, mais il y a un lot très, très relevé de chevaux du groupe 1 à Maurice maintenant. Ben, et ce sera un régal pour le public. Tant mieux, Soon, définitivement. Alors, c'est vrai que c'était un pari osé de surmonter ce couloir extérieur. Il aurait pu être pris en épaisseur, mais une fois qu'il a trouvé les barres, vous a dit le plus difficile est fait ? Enfin, les plus difficiles, ben, comme tu sais, il y a quand même une montée là, mais son avantage à lui, c'est qu'il ne portait que 56 kilos, donc he could afford to take such a risk. Mais Kremlin, mon plus grand souci, je te dis franchement, je ne suis pas sûr de pouvoir mettre Kremlin dans la forme qu'il était aujourd'hui. Je te l'avais dit avant, après la course de Strom. Il était au top aujourd'hui. Oui, il était au top. C'est pas facile de le garder comme ça pour le Barbé. On est quoi? On est à un mois de Barbé. Ben, on verra. Ben, il n'y a pas que lui. Je crois que ça va être difficile pour lui vis-à-vis de One Cool Dude. Il faut peut-être penser à Booklet Top. Et comment il est justement, puisque vous en parlez? Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il s'est très bien acclimaté. Mais venir directement dans le Barbé, ça va être très difficile pour lui. Mais il y a aussi Bulsara qu'on pense. On ne sait pas encore qui va courir le Barbé pour nous. Mais comme tu sais, on vise toujours le classique et le groupe 1. Mais c'est ce fait aujourd'hui. Eh bien, toutes nos félicitations sont pour cette très, très belle victoire de Crimlin Kapnin, sa 12e victoire ici au Champ de Mars. Chapeau, bravo. Merci, Jean-Philippe. Donc voilà les impressions de M. Soon Galadar après la très, très belle victoire de Crimlin Kapnin qui, là, son groupe 1, et quelle accélération et quelle course de ce magnifique coursier. Et puis, eh bien, on se frotte déjà les mains en vue de ce nouveau grand rendez-vous, messieurs. Le départ est imminent dans cette 7e course. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve avec un bon départ de Blow Me Away, très sollicité. Indaba My Children également à l'extérieur. The Real Hero qui tente de surmonter son couloir extérieur. Mais avantage pour l'instant à Blow Me Away qui fait travailler Indaba My Children pour le commandement. The Real Hero a trouvé les barres en 3e position. Ensuite, on retrouve Jida. De leur sillage, il y a Pull Up Palace. Ensuite, Galop. Eh bien, Mighty Mars, Count Rocket en dernière position, Valrine. On est en pleine descente à 800 mètres du poteau. Indaba My Children a ravi le commandement à Blow Me Away, qui suit tranquillement en 2e position. Il est suivi comme son ombre par The Real Hero. Voilà que Jida arrive à son extérieur. Ensuite, il y a Polar Palace, Mighty Mars.
en dernière position, Card Rocket et Valrine. On va accrocher la rue du gouvernement dans quelques foulées avec et toujours Indabama Children, Blow Me Away qui revient quelque peu à la charge, Real Hero, Jida, Polar Palace. À l'arrière, Card Rocket, Valrine, alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Blow Me Away accroche sérieusement Indabama Children pour entrer en ligne droite finale en tête de cette épreuve. Blow Me Away qui tente de repartir avec The Real Hero qui va faire l'effort à l'extérieur. Blow Me Away, The Real Hero à l'extérieur. Valrine qui termine de plus en plus fort. Blow Me Away, Valrine qui remonte fort à l'extérieur. Blow Me Away, Valrine, Blow Me Away. Well, we can just say that the hot favorite just blew away his opponents in this race, Devanan, and it looks like you had a lot of confidence in that horse. Yes, you know, he's a good horse, he's an improving horse. He showed what he can do today, and I was told this interview must be quick and short, so well done to him and all the owners. And I wanted to have an interview to wish the mothers all a happy Mother's Day, to my mom and my grandparents, my two grands. And of course, to my beautiful wife. To me, she's the most amazing mom in the world. And but turning home, it looks like you were very confident. Yes, we're riding a 4-10 favorite, and I'm glad he could deliver. Well done, Devanan, and congratulations. Thanks, and well done to the stable. Thank you. Thank you. Donc, bravo à Devanan Mansour qui continue cette belle régularité pour votre établissement. Certainement, vous avez à cœur d'être présent dans cette journée. Ah oui, c'était bon. Il était hot favorite et il a pu délivrer, comme Donovan a dit. Et on était très contents, surtout pour les propriétaires. Alors, c'est vrai qu'on sent qu'il est encore, sous lui, comme on dit, sous boost à cheval, qui n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. On espère. Donovan m'a dit qu'il gave him a good feel et j'espère que ça continue pour lui. Alors, la dernière, confiant sous vous? Confiant, non, on était battu par Canadian Dollar qui n'a pas trop délivré aujourd'hui, mais notre cheval a progressé. Je crois qu'il va être dans le TSC. Eh bien, on croise les doigts, pourquoi pas vous retrouver juste après, Soubou. Merci, au revoir. Bravo. Voilà les impressions de Soubira Djeldar après la victoire de Blow Me Away. Un sujet intéressant, encore green, mais qui continue à engranger des victoires. Dans cette épreuve, il part d'un bon couloir, il est pas imminent.
Voilà, c'est parti pour cette huitième et dernière course. Voilà, Straight Jab va jaillir de son deuxième couloir pour se porter en tête. Mais regardez, Lecchedi qui va se placer dans sa foulée à l'extérieur de Illusionnaire. Ensuite, on retrouve Mediterranean Man, Double Dash, qui évolue donc en avant-dernière position, accompagné de Ocean Hunter. Alors que les chevaux entament tout juste la descente, Straight Jab et Rajuravon contrôlent les opérations. Lecchedi a trouvé les barres en deuxième position, Illusionnaire est troisième. À son extérieur, Mediterranean Man. Ensuite, Double Dash en dernière position, Ocean Edge. On est au bas de la descente à 700 mètres du poteau avec toujours Straight Jab qui est le meilleur devant Lecchedi. Voilà que Mediterranean Man va se rapprocher à l'extérieur. Right to Tango, pardon, qui va se rapprocher à l'extérieur de Lecchedi. Ensuite, on retrouve Illusionnaire, Ocean Hunter et Double Dash en dernière position alors qu'on est à 400 mètres du poteau avec Straight Jab, avec Right to Tango qui est en deuxième position, avec Lecchedi, Ocean Hunter alors qu'on aborde la cour pour entrer en ligne droite finale, avec Straight Jab qui est toujours le meilleur, avec Right to Tango qui va s'amener à l'extérieur, avec Ocean Edge qui termine de plus en plus fort, mais Straight Jab a toujours le meilleur. Avec Ocean Edge, avec Ocean Hunter qui termine de plus en plus fort. Ocean Hunter qui va s'imposer devant Straight Jab Right to Tango. Well, congratulations, Donovan, you make it too with Ocean Hunter, who just confirmed that his recent good run was putting his head into the job. Yes, you know, Anand rode him last time. To be really honest, he looked terrible in the parade ring. He was fat. He had a winter coat. He didn't look good. And Anand does a good job. Our horses come on after that. He looks after them in the race. He doesn't kill them and. So he had to do the necessary improvement. Personally, I thought the 14 was going to be too short for him. I mean, at the 500, the stick was out on him. He couldn't sprint, so I had to get aggressive with him quite early in the race. But he ran on nicely. And he was in the plan to put it on the back of the field? You know, I like to ride my horses the way they jump. Obviously, we like to have a plan, but we can only decide what we're going to do once they've jumped, really. You know, I leave it up to the horse to see where he's happy in the race. And they went a bit fast, so I knew they were going to come back at the end, which happened. So maintaining the winning trend, eh, makes it two today. Yes, you know, I believe in strike rate, so I like to keep my strike rate high. And everything's going very well. So enjoy the rest of the weekend. Congratulations, well done. Thanks, and same to you. Thanks. Donc voilà, Donovan Mansour hein, qui met la pression à Rajuravon puisque il l'a dit, hein, il veut garder son striking rate intéressant à suivre pour le reste de la saison définitivement.